Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Fortin, je suis retoucheur photo à 360 Agency, puis ça fait à peu près un an et demi maintenant. On s'en va à deux. J'ai un parcours assez unique. J'ai commencé voulant être chef cuisinier. J'ai décidé que j'aime beaucoup cuisiner pour moi-même et plus, puis moins en tant que métier, alors j'ai décidé d'aller en théâtre. Puis une fois que j'ai été en théâtre, j'ai tombé en amour avec la caméra, alors je suis devenu cinématographe. Puis une fois que j'étais cinématographe, c'était dans mon parcours à l'école, j'ai tombé en amour avec la photographie, puis c'est ça qui est resté jusqu'à aujourd'hui, quoi. Moi et mon équipe, on gère la collection de photos qui vont sur le site web de nos clients. Alors, notre collection de photos exclusives qui est tous les modèles, tous les trims, et c'est nous qui faisons les recherches de tous les nouveaux modèles de l'année qu'on est en train de travailler dessus. Puis, une fois qu'on a découvert les changements à faire, c'est nous après ça qui vont aller prendre les photos, on va les modifier avec tout ce qu'on a besoin de faire, les roues, les volants, les bancs, et essentiellement créer, soit s'il y a déjà des photos, on prend ceux-là, mais s'il n'y en a pas, on crée le nouveau modèle nous-mêmes. S'il faut que je résume mon métier en trois mots, ce serait recherche, éditage et vérification. C'est vraiment les trois étapes de notre travail, puis la recherche, c'est ce qui va définir ce qu'on va faire dans les retouches. La retouche, c'est la retouche. Et la vérification, c'est juste de vraiment vérifier. Après, des fois, on va avoir des autos avec une liste gigantesque de choses à changer, puis c'est vraiment vérifier que tout a été fait proprement, puis bien, puis que ça paraisse pas que ça a été retouché. Ça, c'est vraiment difficile. On peut pas vraiment travailler toujours seul, puis on peut pas vraiment travailler toujours en groupe. C'est sûr que quand on prend un modèle, c'est notre modèle jusqu'à temps qu'il est fini puis qu'il est sur le site web. Mais en même temps, des fois, on va avoir des challenges où est-ce que quelqu'un dans notre équipe est un petit peu plus expérimenté, disons, avec ce modèle spécifique-là. Alors, on va travailler ensemble juste pour que moi, je sois capable de le faire un petit peu plus rapidement. Puis même chose que si la personne, disons, moi, j'ai fait beaucoup de pick-up l'année passée, alors je suis devenu un petit peu un expert en pick-up. S'il y a un autre de mes collègues qui en prend un, je suis capable de l'aviser pour que lui ait pas besoin de tout découvrir lui-même. Une chose que j'aime beaucoup de la compagnie, c'est comment sérieux ils sont de l'Halloween. L'Halloween, c'est vraiment sérieux, puis c'est un gros événement ici accompagner tout le monde et tout le monde est déguisé, et puis c'est vraiment une grande fête, tout en travaillant bien sûr, mais ça c'est quelque chose que je pense qui est vraiment le fun de la compagnie, c'est les fêtes, ils les prennent au sérieux. Mon mentor dans la compagnie, je dirais, c'est vraiment Christian Bilodeau, mon team lead. C'est vraiment le guide que si jamais on a des questions, c'est lui qui va vraiment tout nous répondre, qui est prêt à nous aider puis à nous guider à dans la bonne direction si jamais on frappe un mur, disons, puis qu'on sait pas trop quoi faire avec certains modèles. C'est quelqu'un vraiment que that I look up to. La patience, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner le plus, parce qu'il y aura beaucoup de challenges avec des retouches, soit que la façon de faire, l'angle qu'on a, puis l'angle de la ressource qu'on a est pas pareil. Alors c'est comment la changer sans détruire la photo, puis tout. Il y a beaucoup de patience, puis un petit peu des fois, ça arrive qu'on va être vraiment surchargé d'idées ou de listes de choses à faire. Puis c'est des fois de juste prendre un petit 5 minutes, de ne pas regarder à ton écran, puis juste de respirer, puis de remettre à tes pensées, puis d'y retourner 5 minutes après avec une bonne voix, quoi.